Madame Simonet. Oui, je tiens à préciser que cette question s'adresse autant au préfet de police de Paris qu'à la maire de Paris. Parce que dans cette affaire, on est face à un terrible scandale. J'oserais dire un silence de plomb, où la préfecture de police, ministère de la Culture, ARS et Ville de Paris, eh bien, sont co-responsables dans un silence et une inaction qui, quelque part, est comparable à des silences post-Tchernobyl, silences post-Fukushima, où on a eu des situations extrêmement graves et où les informations n'ont pas été aussi transmises sur l'ensemble des principes de précaution à mettre en œuvre. Après l'incendie, ces 400 tonnes de plomb, substances classées cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, contenues dans la toiture et la flèche de la cathédrale, qui sont parties en fumée, qui ont pollué donc l'édifice et ses environs. L'enquête du journal Mediapart affirme que des prélèvements effectués début mai à l'intérieur et aux alentours de Notre-Dame ont mis en évidence des taux de plomb 400 à 700 fois supérieurs au seuil autorisé. Alors, on sait que l'ARS a, dans un premier temps, tenté de démentir ces informations, tout en concédant que, finalement, l'incendie a quand même provoqué une pollution au plomb dans les alentours de la cathédrale, ce qui constitue un événement sanitaire inédit, pour reprendre ces termes. Mais elle a affirmé que les relevés indiquaient des taux inférieurs au seuil réglementaire. L'ARS concède cependant que le laboratoire central de la préfecture de police a réalisé plusieurs dizaines de prélèvements de poussière dans l'espace public parisien. Ces prélèvements montrent ponctuellement des valeurs élevées. Or, le journal Mediapart nous apprend que les informations sur les taux de pollution auraient été sciemment cachées aux citoyens et aux citoyennes, décision qui aurait été prise dans une réunion où la mairie de Paris était présente. Or, on sait que les conséquences pour la santé peuvent être dramatiques. On a, selon Annie Thébaumoni, chercheur à l'INSERM, explique qu'il faut absolument un suivi médical, qu'une exposition régulière au plomb peut entraîner des conséquences graves pour la santé, le saturnisme, l'intoxication par inhalation ou ingestion peut, selon la gravité, entraîner des troubles digestifs, des lésions du système nerveux ou encore des problèmes de stérilité, pouvant aller, comme l'a dit ma collègue précédemment, jusqu'à des décès. Quelles sont précisément les valeurs des relevés de plomb à l'intérieur et autour de Notre-Dame et dans l'espace public parisien? Les résultats des prélèvements seront-ils rendus intégralement publics et accessibles à toutes et à tous, et pas seulement par une procédure de saisie de la CADA? Une étude indépendante, publique et transparente, accessible à toutes et à tous, est-elle prévue pour garantir l'information indispensable des citoyens et mettre en place les mesures adéquates? Quelles mesures sont mises en place pour assurer la protection des ouvriers, de l'ensemble de celles et ceux qui travaillent sur le chantier? L'inspection du travail a-t-elle été saisie pour assurer la mise en place des mesures adéquates aux risques pour tous ceux qui travaillent dans les alentours, y compris dans la préfecture et y compris dans les commerces? Il faut conclure, Madame Simonet. Quelles mesures sont envisagées pour préserver la population au risque sanitaire grave suite à des prélèvements présentant des valeurs élevées? Merci. Monsieur le préfet de police, puis Madame Souéris. Oui, merci Madame la maire. Alors, dans cette affaire qui, je le rappelle, je parle de l'incendie, est intervenue le 15 avril, dès le 17 avril, j'ai fait faire des prélèvements, une campagne de mesure de la qualité de l'air et des prélèvements au sol. Je crois qu'il faut bien comprendre cette différence pour aborder sereinement le sujet de la santé publique. Il n'y a eu aucun prélèvement en matière de qualité de l'air qui démontre des traces de plomb, et pour cause, le métal est suffisamment lourd pour retomber au niveau de ces particules. Donc le sujet est effectivement un sujet de contamination de sol. Je rappelle que ce que vous décrivez, Madame la conseillère, quant au risque du plomb, est en cas d'ingestion du plomb. Cas de figure qui ne peut se produire, assez peu vraisemblablement dans l'espace public, mais que dans le cas où des personnes marchant dans l'espace public contaminé ramènent le plomb chez eux, ce qui pose effectivement, s'ils en mettent sur la moquette pour leurs enfants en bas âge, un problème sanitaire. Mais à cette condition seulement, je ne peux pas laisser dire que les personnes se promenant dans l'espace public et n'étant pas dans cette situation-là sont susceptibles d'être en risque, puisque marcher sur du plomb ne présente strictement aucun risque. Et donc, c'est bien pour ça que dès le lendemain de cet incendie, j'ai établi un périmètre de sécurité, dont j'observe qu'il a été jugé sévère, mais il me paraissait absolument nécessaire
dès le soir de l'incendie, de procéder de cette façon-là. J'ai eu de nombreuses demandes pour lever le périmètre de sécurité assez rapidement, et au jour d'aujourd'hui, j'ai à peu près tout levé en fonction des résultats que me donnaient les différentes enquêtes, à l'exception du parvis. Et vous avez tout à fait raison, Madame la conseillère, l'intérieur de la cathédrale et le parvis sont toujours dans des situations de pollution significatives. À l'intérieur de la cathédrale, ça relève bien évidemment du contrôle de l'inspection du travail. L'ensemble des travaux diligentés par la DRAC se font avec les précautions pour les travailleurs soumis à des dispositifs de cette nature. Sur le parvis, il est toujours interdit, puisque je ne peux pas lever l'interdiction, nonobstant les demandes pressantes que j'ai, tout simplement pour cette raison-là, puisqu'il faudra s'assurer que les taux constatés de plomb sont redescendus dans une moyenne adéquate pour... Pardon, monsieur le préfet, vous voulez bien fermer cette porte? Merci. Et je vous en prie. De manière donc à ce que le parvis puisse être réouvert le plus rapidement possible. Alors, vous posez une autre question qui est celle des autres contrôles faits à l'intérieur des habitations. Je rappelle que l'ARS a non seulement ouvert des consultations de plombémie à l'Hôtel Dieu pour les riverains, mais également a identifié une dizaine de logements dans lesquels ont été réalisées des enquêtes environnementales. Celles-ci n'ont pas mis à jour de concentration problématique. En tout état de cause, j'ai conseillé avec le directeur général de l'ARS que les personnes qui sont dans la situation d'avoir des jeunes enfants prennent des précautions de nettoyage, qui sont des précautions dont nous avons expliqué la nature des modalités de nettoyage, devaient être suivies. Et nous les sommes appliquées à nous-mêmes, à la préfecture de police, puisqu'il ne vous a pas échappé que le jour du sinistre, de façon assez inhabituelle, le vent allait dans la direction de l'ouest. Et donc la préfecture de police a été, et notamment tous les bureaux en façade, soumise aux retombées, et nous avons procédé donc aux travaux nécessaires. Et j'ai proposé d'ailleurs, pour votre bonne information, à l'ensemble des fonctionnaires de l'APP le souhaitant, de pouvoir suivre cette consultation de plombémie s'ils en jugeaient le besoin nécessaire. Il m'a semblé être assez transparent dans les communiqués qui ont été publiés, mais vous soulevez une question dont j'ai compris à la lecture de Mediapart qu'elle était assez mal interprétée, qui est celle effectivement de la cartographie de référence. Alors, nous avons, par souci de bien faire, fait réaliser dans d'autres endroits de Paris des analyses de concentration de plomb. La difficulté que nous rencontrons, et il ne faut pas la sous-estimer, c'est qu'il n'y a pas de valeur de référence, puisque c'est en quelque sorte une première. Je parle à ma connaissance dans l'espace public, et pour cause, le problème ne s'était jamais posé. Donc il y a effectivement un certain nombre d'endroits qui ont des concentrations de plomb qui ne sont pas au standard. D'où viennent-elles ces concentrations? Viennent-elles de Notre-Dame? Viennent-elles d'incendies précédents ou de je ne sais quel autre phénomène qui font qu'il y a effectivement des taux de plomb sur les espaces publics, c'est-à-dire sur les trottoirs ou sur les voies de circulation, supérieurs à ce qu'il serait nécessaire de faire? Mais je partage votre conclusion, c'est-à-dire je ne vois que des avantages à publier cette cartographie de référence. Et je le conseillerai comme tel au directeur général de l'ARS, qui a en la matière la compétence, pour qu'on puisse le faire au plus vite, pour que tout un chacun ait accès à ces résultats. Mais vraiment, je voudrais rassurer l'ensemble de nos concitoyens et des gens qui non seulement habitent Paris, mais qui y viennent également. C'est extrêmement désagréable, cette affaire de plomb, mais il n'y a aucun danger pour la vie des uns et des autres, sauf vraiment à se mettre dans des situations... de vouloir, peut-être pas lécher les trottoirs, mais au moins se mettre dans des situations qui ne sont pas celles d'un comportement usuel. Voilà ce que je peux vous dire, mesdames et messieurs. Merci, monsieur le préfet. Madame Souiris. Merci, madame la maire. Alors, je suis très heureuse, moi, qu'il y ait ces deux questions, parce que je pense qu'effectivement, même si il n'y a pas actuellement de pollution au plomb qui permette de penser qu'il y a une contamination avérée de personnes, hormis un cas, mais ce cas-là,
Il se trouve de ce petit garçon qui s'est avéré positif au plomb qu'il y avait chez lui une contamination fréquente au plomb qui n'avait rien à voir avec le drame qui est arrivé à Notre-Dame. Néanmoins, il y a un principe de précaution à avoir qui est absolument essentiel et sur lequel nous, à Paris, nous n'avons pas du tout faibli depuis le départ de cette question dès que ça s'est posé. Et les réunions qui ont eu lieu, dont certaines ont été mentionnées dans Mediapart, entre la préfecture de police, l'ARS, les services de la ville de Paris, sont absolument essentiels à maintenir, ils continuent, et ont amené à prendre un certain nombre de décisions. Ces décisions pour la ville de Paris ont été importantes, puisque déjà nous avons, avec nos services, effectivement participé à des enquêtes de détection de plomb dans les appartements qui étaient concernés et préconisés par l'ARS. Nous avons également, dans les écoles qui étaient attenantes et à moins de 500 mètres de Notre-Dame, fait des enquêtes sur la question de la plombémie, y compris dans les écoles et les crèches, y compris privées, de manière à ce qu'effectivement il puisse y avoir une certitude que les choses se passaient bien. Et par ailleurs, une réunion d'information dans le 4e arrondissement avec les habitants et un certain nombre de préconisations auprès des citoyens et des commerçants ont été faites assez rapidement. Néanmoins, il reste, j'allais dire, des problématiques, évidemment, puisque, ça a été dit, la question du seuil et de savoir à quel moment ça devient le seuil, la quantité de plomb devient dangereuse pour la santé. Eh bien ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore sûr. On a encore un manque de connaissance sur cette question. C'est vrai que c'est une première, la question de Notre-Dame, qu'il n'y a pas eu d'équivalent qui nous permet d'avoir des données comparables. Nous n'avons pas non plus des données avant de plombémie avant l'accident et avant le fait que avant cet accident. Et donc, ce qui se passe actuellement, c'est de se dire que nous avons deux devoirs, à mon sens. Le premier devoir, c'est un devoir de transparence, parce qu'effectivement, l'information, ce qui avait été demandé, d'ailleurs, ce dernier Conseil de Paris, qui est le fait d'avoir une cartographie des informations en temps en heure présente, c'est absolument essentiel pour que chacun, bien sûr la collectivité, bien sûr l'État, mais aussi chacun, chaque citoyen, puisse pouvoir agir en fonction des connaissances que nous lui donnons. La deuxième chose, c'est de pouvoir mettre à la disposition de chacun les moyens de pouvoir à la fois faire une détection, faire des diagnostics. Donc ça a été fait effectivement, comme ça a été dit, à l'Hôtel Dieu. Mais moi, j'ai demandé à l'ARS le fait que ça soit élargi, pas seulement aux femmes enceintes et aux enfants qui habitaient sur l'île de la Cité, mais à l'ensemble des personnes qui habitent ou qui travaillent aux alentours de Notre-Dame, parce que c'était déjà très important. Notre réseau de PMI à la ville également continue d'effectuer des taux de plombémie, c'est très important, et donner des conseils aux familles, donc ça, nous devons le continuer. Et puis enfin, il y a la troisième dimension qui est celle de la dépollution. Et la dépollution, eh bien, il y a la question du parvis, évidemment. Et puis, il y a aussi la question de la rue de la Cité qui a été réouverte quand même au public, alors que ce que moi j'ai eu comme enseignement, c'est qu'il y avait les mêmes taux de contamination des sols qu'à peu près que sur le parvis. J'ai eu comme assurance d'Aurélien Rousseau, le directeur de l'ARS, le fait que de nouveaux prélèvements seraient effectués pour vérifier et voir effectivement s'il y avait un danger équivalent, auquel cas, évidemment, nous
pourrions revoir, et en tout cas ils demanderaient à ce que ce soit fermé comme le parvis. Parce que ces questions de dépollution, évidemment, elles sont essentielles. Il va falloir dépolluer le parvis. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Manifestement, il y a une demande auprès de la DRAC, parce que ça n'est pas la préfecture, mais la DRAC, pour qu'il y ait de nouveau une dépollution, parce que celle qui a eu lieu n'était pas du tout suffisante. On sait qu'il faudra soit recouvrir, soit vraiment faire une dépollution de fond. Ce sera certainement aussi quelque chose de cet ordre-là sur la rue de la Cité. Et puis, il y a la dernière question, j'en aurai fini, qui est la question des terres, c'est-à-dire du jardin qui est juste derrière Notre-Dame et du mémorial qui est juste encore derrière, où là, il y a une pollution de la terre et où il faudra effectivement voir à comment pouvoir changer cette terre. Tout ça, c'est une entreprise que nous avons encore en cours de route. Moi, je peux vous dire une chose au nom de l'exécutif, c'est que nous sommes très vigilants, que nous tiendrons les engagements de transparence et en tout cas d'interpellation pour que tout se passe pour le mieux et que vendredi prochain, prochaine date de notre réunion avec la préfecture de police, avec l'ARS, avec les différents services, eh bien, nous continuerons de dire à quel point nous serons vigilants. Et nous exigerons évidemment que la cartographie soit vraiment publiée la semaine prochaine comme il a été. Madame Souiris, merci beaucoup. Merci pour ces réponses complètes. Plus vite on aura dépollué le parvis, mieux on se portera, puisqu'il y a effectivement toujours un risque de déplacement de ces pollutions, mais évidemment qui sont des pollutions qui n'ont rien à voir avec des pollutions, je dirais, d'accidents nucléaires, et qui sont des pollutions bien connues de l'inspection du travail, et notamment avec des risques liés à, non pas à l'inhalation, mais au toucher et le fait de pouvoir ingurgiter des poussières de plomb directement, et ce qui provoque le saturnisme. Mais je pense qu'il faut aussi être dans la vérité scientifique. On peut toujours faire peur aux populations. Mais notre devoir est d'informer ce que nous faisons et continuerons à faire, et aussi, bien sûr, de ramener toujours à ce qu'est la réalité aussi scientifique de ces contaminations. Madame Fidoche. Merci. Effectivement, je vais dire deux, trois petits mots. Je vous rejoins, Madame la maire, sur le fait qu'il faut partir des vrais chiffres et de la réalité. C'est pour ça qu'on demande de la transparence dans cette période, parce que la période passée, mais aussi la période qui vient, dans laquelle il y aura du monde pour intervenir dans la cathédrale et autour de la cathédrale, doit pouvoir se faire en toute sécurité pour les habitants, pour les commerçants, pour les salariés. Et puis la question du principe de précaution, je crois, n'est pas juste là pour agiter un drapeau. On a tous en tête plusieurs scandales qui n'ont été révélés qu'après qu'on sache, que certains trouvent enfin et disent enfin ce qui était. Je pense évidemment à l'amiante. Donc faisons vraiment attention, ne prenons aucun risque sur la question. Et le meilleur moyen pour cela, c'est d'être entièrement transparent. Merci beaucoup, Madame Filoche. Madame Simonet. Oui, il faut de la transparence et de l'information donc publique sur l'ensemble des données. On sait que, par exemple, sur le pont et la fontaine Saint-Michel, on a eu des prélèvements qui montraient entre 20 à 400 fois des seuils supérieurs aux seuils réglementaires. Donc, il faut absolument qu'on ait les éléments là-dessus. Je suis ravie d'entendre Madame l'adjointe parler de la décontamination du parvis de la cathédrale. Il me semble que la mairie de Paris, en tout cas c'est ce que relate Mediapart, avait proposé de décontaminer le parvis de la cathédrale avec un chantier de 2 semaines qui était estimé à 450 000 euros. Il fallait pour cette phase de décontamination d'ailleurs que les ouvriers portent des scaphandres, et le ministère de la Culture et la préfecture auraient arbitré de ne pas le faire. Alors, est-ce que c'est une vraie information, une fausse information? Il faut absolument qu'il y ait une bonne information, une transparence et le principe de précaution. Parce que ce qui est mis dans cet article de Mediapart, c'est que la santé de celles et ceux qui travaillent sur le chantier n'est absolument pas protégée. Et ce qui est écrit là-dedans est extrêmement inquiétant.
L'inspection du travail y veille pour m'être rendue sur le chantier moi-même et avoir vu les mesures de précaution qui avaient été prises.